Bonjour. Bonjour, merci d'être présent à cette table ronde virtuelle co-organisée par la Cité des Sciences et le Collège international de philosophie avec le partenariat de Philosophie Magazine. C'est peut-être un peu étrange de parler de la force de vie alors que nous sommes privés de justement ce lien, cette présence matérielle des êtres et des corps qui font l'essence de la vie. Mais ce thème résonne fortement évidemment avec le moment présent et je comme rarement en fait et je vous souhaite à vous les étudiants de prépa qui nous écoutez d'être à plus d'un titre et pas seulement par au concours la génération de la force de vivre. Alors voici le déroulement de la séance. Les informations techniques pour ceux d'entre vous qui nous suivent en direct sur Zoom. Je vous demande, pendant la première partie de notre table ronde, d'éteindre vos caméras et vos micros. Et puis, dans la deuxième partie, dans la dernière demi-heure de notre séance, vous aurez la possibilité de vous signaler. Je vous redonnerai les modalités pour pouvoir poser vos questions en direct à nos invités. Donc, la séance va se dérouler de la façon suivante. Je vais donner brièvement la parole à nos trois invités après vous les avoir présentés, qui vont chacun vous proposer une interprétation originale du thème qui est à votre programme. Puis, on fera une petite discussion entre nous, très rapide, avant de vous laisser la parole. Alors, la séance a été construite à partir de votre thème et aussi à partir des œuvres au programme, mais pas forcément uniquement, pas forcément toutes les œuvres, puisque nous n'avons pas spécifiquement d'exposé prévu sur le livre de Svetlana Alexeïevitch. Donc, nous aurons plutôt un exposé sur les contemplations de Victor Hugo, puis sur le Gai Savoir. Et nous avons demandé aussi à Frédéric Worms, que je vais vous présenter dans un instant, de nous donner aussi un cadre plus général aussi pour penser ce thème de la force de vivre. Donc, penser la force de vivre, c'est évidemment se demander un peu où est la force, est-elle dans la vie même, est-elle dans la résistance à la mort, au négatif ou à l'épreuve. Ça, je pense que ça c'est un thème certainement qui va courir sur nos exposés. Alors, je vous présente mes invités. Esther Pinon, vous êtes maître de conférence en littérature française du 19e à l'Université de Rennes 2. Et vous allez nous parler de Victor Hugo dans un instant, mais vous avez aussi publié un livre qui peut rentrer tout à fait dans la bibliographie de nos étudiants, qui s'appelle Multiplier l'infini, étude des contemplations de Victor Hugo, qui est paru aux presses universitaires de Rouen en 2016. Guillaume Métayer, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes aussi poète, ce qui n'est pas pour nous déplaire dans cette table ronde sur la force de vivre. Et vous proposez une approche d'historien des idées, plus littéraires et culturelles des textes philosophiques, et notamment de Nietzsche, en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Vous avez notamment publié un livre qui s'appelle Nietzsche et Voltaire, De la liberté de l'esprit et de la civilisation chez Flammarion en 2011. Vous intéressez finalement à la manière dont la philosophie des Lumières s'est écrite et sa postérité, puisqu'on peut éventuellement placer Nietzsche dans la postérité de la philosophie des Lumières. Et enfin, Frédéric Worms, à qui je vais céder la parole en premier, qui est philosophe, directeur adjoint de l'École normale supérieure. Vous êtes aussi membre du Comité national consultatif d'éthique. Donc, vous êtes à la pointe des questions qui concernent le vivant, le soin, la médecine. Vous avez publié des travaux importants d'histoire de la philosophie contemporaine, et notamment sur Bergson. Et de livre en livre, vos essais sont aussi une longue discussion critique, finalement, avec le vitalisme et notamment celui de Bergson. Je signale, parmi vos nombreux livres, les deux qui, à mon avis, viennent tout à fait en appui du thème
La force de vivre, le dernier, un des derniers, qui s'appelle Pour un humanisme vital, qui est paru chez Odile Jacob en 2019, et une réflexion plus ancienne, mais qui continue d'être peut-être encore plus proche de notre thème, d'un livre que j'aime particulièrement, qui s'appelle Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources, qui est paru chez Flammarion en 2012 et qui est aujourd'hui édité en poche. Alors, Frédéric Worms, commençons par vous. Qui êtes chargé de donner le cadre dans lequel on peut penser cette question de la force de vivre. Est-ce justement quand elle manque que nous en faisons l'expérience, de même que nous pouvons définir le vivre que négativement, confronté à son contraire. Survivre, revivre, force de vivre, à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Catherine de cette introduction et à la Cité des Sciences de cette invitation. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler de ce thème qui m'a beaucoup surpris quand j'ai vu qu'il avait été donné comme programme, mais que je trouve évidemment magnifique et en effet lié à des, non seulement à l'actualité immédiate, mais à l'ensemble du moment que nous vivons d'après moi. Et merci d'avoir introduit tout ça aussi généreusement. Donc, je crois qu'on a une quinzaine de minutes. Je vais essayer d'être un peu rapide. Moi, ce qui me frappe beaucoup pour une expression comme la force de vivre, c'est justement d'essayer de la comprendre d'abord comme expression quand elle surgit chez un humain par la parole. Et c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, qu'il me semble très beau d'avoir réuni des œuvres philosophiques et littéraires autour de ce thème. C'est-à-dire qu'au fond, l'expérience de la force de vivre, c'est d'abord une expression, voire une exclamation, de langage aussi, qui sort de nous-mêmes dans certaines situations. Et on pourrait essayer de se reporter aux diverses situations où on invoque cette expression. Et de fait, comme Catherine l'a dit, en pressentant bien un peu l'angle que je vais prendre, de mon côté, il me semble effectivement qu'il y a un paradoxe de l'expression « la force de vivre », c'est que nous croyons, quand on la regarde abstraitement ou quand on y réfléchit abstraitement, que c'est une expression qui vient renforcer notre croyance dans une force de la vie, dans une force presque invincible de la vie, et pourtant, quand nous l'employons, c'est souvent quand elle est fragilisée, au contraire. Quand on redouble le vivre par l'expression « la force de vivre », c'est souvent effectivement parce qu'on croit qu'elle est fragilisée ou qu'on l'a perdue aussi. Et donc, on peut se demander ce que veut dire effectivement « j'ai perdu la force de vivre » ou bien aussi, j'y reviendrai à la fin, quand est-ce qu'elle revient effectivement dans le revivre. Et même parfois, quand on se dit qu'une situation ou une parole ou un geste, ou parfois un livre, hein, ou parfois une œuvre, ou parfois en tout cas quelque chose de très spécifique, peut nous la redonner. Et donc, il y a ces expressions-là, finalement, auxquelles je voudrais donner sens, mais il y a un paradoxe, effectivement, c'est que, malgré tout, quand même si on l'emploie d'une façon critique, en effet, et moi, je vais vous proposer ce que j'appelle de mon côté un vitalisme critique, malgré tout, même quand on l'emploie de façon sous un contexte négatif et de façon critique, ça renvoie quand même à notre perception, à notre pensée de la vie comme une force. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on pense la vie comme une force aussi, ou le vivre comme une force, et puis pourquoi est-ce que même dans l'expérience de la fragilité, cette idée de la force de vivre elle-même, en quelque sorte, résiste. Et pourquoi, même critique, on ne peut pas se passer tout à fait de ce que moi je revendique malgré tout comme un vitalisme. Alors, pourquoi est-ce qu'on se représente d'abord la vie comme une force, dans un premier temps, pourquoi est-ce que ça a irrigué toute une pensée de la vie dans l'histoire de la philosophie? Il y a d'abord cette idée que parfois, même après la mort, on a l'impression, comme on dit, que la vie continue, que la vie peut disparaître chez tel ou tel vivant, j'y reviendrai, mais qu'il y a une sorte de poussée de la vie, un peu comme les plantes peuvent grimper sur les ruines des temples et des civilisations. Il y a une sorte de poussée de la vie. Guillaume Métayer parlait peut-être chez Nietzsche aussi. Il y a cette question de... Voilà, chez Nietzsche, c'est un peu compliqué, mais on y reviendra dans un instant. Enfin, c'est très simple, dans un sens
sa position, mais voilà, est-ce qu'elle est acceptable? C'est une autre question. Il y a cette idée, en tout cas, que la vie traverse les vivants, même à travers leur mort, et continue comme une force indépendante. Et donc, il y a toujours cette représentation de la vie comme une force, et une force qui peut avoir des obstacles, mais n'a pas forcément de contraire qui s'oppose à elle de l'intérieur. Et au fond, même dans l'Antiquité, avant qu'on se représente la vie en général comme un mouvement d'ensemble qui traverse les vivants, ça c'est plutôt une représentation qui date du 19e siècle en particulier, on s'est toujours demandé au fond si la vie ne consistait pas dans un principe indépendant qu'on pouvait assimiler à une force. C'est le principe de tout ce qu'on appelle les vitalismes. On appelle vitalisme finalement une philosophie qui considère que dans le vivant, il y a un principe qui a quelque chose d'irréductible et qu'on appelle la vie. Alors, moi je vais défendre un vitalisme un peu différent, mais c'est la source de tous les vitalismes. Et par exemple, chez les Grecs, il ne s'agissait pas d'une force de vie en général, la force de vivre qui traversait tous les vivants, mais dans chaque vivant, un principe de vie qui d'abord explique les comportements du vivant dans sa vie, et puis qui ensuite, au moment de la mort, pose un problème philosophique très particulier. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un vivant ? Aristote le définit d'une manière très, très simple dans sa philosophie, dans le traité de l'âme en particulier, et le mot âme est ici central. Un vivant, c'est un être qui a en lui-même le principe de son mouvement. Par opposition à une chaise, par exemple, qui ne bouge pas toute seule, mais il faut quelqu'un pour la bouger de l'extérieur, ou une autre chaise, ou un tremblement de terre. Mais un vivant, Aristote appelle vivant l'être qui a en lui-même le principe de son mouvement. Ça distingue des types d'objets dans le monde qu'on peut distinguer, et même un même corps. Un corps est vivant quand il a ce principe, quand il se meut, et puis quand il est mort, justement, il ne l'a plus. Ce qui, pour Aristote, prouve l'idée, la différence entre la vie et la mort, réside dans un principe interne de mouvement, et donc, en effet, dans une cause interne des mouvements, et c'est ça qu'on appelle une force. On appelle force une cause indépendante d'un mouvement, indépendante des autres corps, une cause interne, finalement, une source immanente d'un mouvement. Voilà, donc il est très difficile de penser la vie sans une force de ce genre. Et on appelle donc vitalisme, mais d'une manière générale, les philosophies qui admettent un tel principe. Encore une fois, ça peut être un principe interne à chaque vivant. On appelle ça l'âme, chez les Grecs. Et à ce moment-là, la question de la mort pose la question, où va-t-elle après la mort ? Pose la question de l'immortalité de l'âme, ou bien pour la vie en général. Et à ce moment-là, bon, la mort des vivants n'a pas forcément d'importance, et on parle du vouloir vivre, par exemple, comme chez Schopenhauer en général, qui ne meurt pas, voilà. Mais les vivants peuvent mourir, ça pose plus de problèmes métaphysiques en un sens philosophique d'ensemble, mais plutôt existentiel pour les vivants. Mais voilà, donc il y a cette idée d'un principe de vie qui est par essence opposé d'abord à d'autres types de phénomènes, les non-vivants, et puis qui ne connaît pas en effet une adversité interne. C'est ça qu'on... Les philosophies qui défendent cela, on les appelle des vitalismes, parce que la vie a quelque chose d'irréductible à autre chose, par exemple à la chimie ou à la physique, et on appellera matérialisme ceux qui disent, par exemple, que c'est simplement la conjonction de forces extérieures au vivant qui permet provisoirement à certains corps de se déplacer plus ou moins bien, etc. Je pense, pour faire court, que, disons, cette thèse d'un principe indépendant de vie, au fond, consiste à postuler un principe absolu, justement, indépendamment des obstacles qui, au fond, et Catherine l'a dit en introduction, qui manifeste la réalité de la force de vivre. En fait, contrairement au vitalisme classique, moi, je soutiens effectivement, comme c'est aussi une tradition très importante dans l'histoire de la philosophie, je soutiens au contraire que le vivant, certes, se caractérise par des mouvements, mais des mouvements qui ne renvoient pas à quelque chose d'absolu, forcément, enfin là, c'est, je pense que ça relève d'une spéculation philosophique, mais qui renvoient au contraire d'abord à la lutte contre un obstacle extérieur et interne. Et donc, d'une certaine façon, effectivement, je pense qu'on doit distinguer les vivants, mais plutôt par l'opposition à quelque chose qui les menace,
et qui, en effet, est toujours la mort, de telle sorte qu'il n'y a jamais que des vivants individuels. On ne peut appeler, on doit s'en tenir à notre expérience de la vie, et notre expérience de la vie, c'est celle de certains êtres qui, dont l'existence n'est possible que s'ils luttent contre leur disparition, et qui, en effet, nous amène à postuler un principe de vie, mais face à un principe opposé, et non pas comme un principe absolu dont on se demanderait voilà quel en est le fondement transcendant ou métaphysique, mais toujours par opposition à autre chose qui le menace, la condition du vivant étant toujours justement dans la lutte contre son interruption et dans le fait de sa continuation, dans une sorte de survie qui est toujours opposée à autre chose. Alors, cette position-là, je pense qu'elle peut surprendre, et c'est l'idée justement qu'il n'y a de force de vivre que par opposition à une force opposée, et que ce qui nous fait l'expérience de la force, ce qui nous donne l'expérience de la force, beaucoup de penseurs l'ont dit, et Nietzsche encore une fois est très particulier à cet égard, hein, c'est l'expérience d'une force opposée, c'est l'expérience d'une résistance, c'est l'expérience d'un obstacle. On se sent vivant en fait aussi, alors on va y revenir, soit quand on dépasse un obstacle, soit quand on y est soumis et quand on doit y résister, et d'une certaine façon c'est une définition de la vie que j'appellerais critique en effet, et qui là aussi est très ancienne, c'est la définition des médecins, on pourrait dire aussi. Au début du 19e siècle, un médecin français, Bichat, a produit une définition de la vie qui a beaucoup surpris, qui fait beaucoup sourire, mais qui, moi, me semble indépassable. Hein. Et la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Et vous voyez bien que, au fond, c'est une définition beaucoup plus modeste, la vie n'est pas une force absolue, mais en même temps, c'est simplement le fait des actes de certains êtres qui résistent à leur interruption. Et en plus, un pluriel qui est très problématique, peut-être que Guillaume en parlera tout à l'heure, mais chez Nietzsche, justement, la vie, ça n'est pas une force, ce sont des forces et qui, en plus, luttent entre elles, luttent les unes contre les autres, chez Nietzsche. Ces volontés de puissance qui font un phénomène, et bon, voilà. Moi, je suis plus proche de la philosophie de la médecine que cela, au fond. Je ne pense pas qu'il y a des forces en général qui luttent pour simplement leur croissance, mais qu'il y a vraiment une polarité, une force négative d'abord, qui nous menace toujours, et aussi de l'intérieur. Hein, les psychanalystes ont même déduit des comportements des humains, notamment du suicide ou de la guerre, l'existence d'une pulsion de mort dans chaque vivant, et on peut en dire un mot dans un instant, et puis des forces qui, évidemment, qui luttent en sens contraire et qui sont aussi du côté non seulement de la continuation, mais de la création, de la procréation, et pas seulement de la procréation, mais de la création, de la nouveauté, et pas seulement du maintien. Et au fond, cette expérience de la vie comme lutte, et comme continuation ou création, je crois que c'est là qu'elle a quelque chose en effet d'irréductible, même si elle est au fond toujours menacée par son contraire, et au fond, finalement, in fine, probablement perdante, métaphysiquement. Au fond, la vie est un effort condamné d'avance contre la mort, mais justement qui, dans cet intervalle, ne fait pas que résister, qui produit des vivants individuels et même qui s'individuent mutuellement les uns les autres et aussi par leurs œuvres. Pourquoi est-ce que la mort finit par l'emporter ? Freud le dit bien. Au-delà du principe de plaisir, c'est que la vie est un mouvement de lutte contre la mort qui donc suppose une certaine force aussi au sens d'une dépense d'énergie, et donc une fatigue. Et donc il y a, comme dit aussi le poète italien Pavese, travailler fatigue, vivre est fatigant, vivre est un effort, et in fine, le vivant, nous avons en nous un désir très négatif que cette fatigue s'arrête. Et si nous sommes épuisés dans une marche, par exemple, je m'arrête là, je ne peux plus, je n'en peux plus. C'est là que cette expression « je n'ai plus la force de vivre » est en fait existentiellement très juste, et que d'une certaine façon, cette expérience subjective d'une force qui peut diminuer jusqu'à s'éteindre, et même d'une force qui peut rencontrer une force adverse en nous-mêmes, hein, subjectivement, n'est peut-être pas une illusion, mais au contraire, l'expérience ultime de la vie. Donc, il y a cette idée que cette expression qui surgit, je n'ai plus la force de vivre, laisse-moi là, je n'ai plus la force, eh bien, au fond, pour moi, elle est très révélatrice de la vérité du vivant, hein, qui est toujours dans cette opposition, aussi de la vérité de la médecine, et finalement,
On le voit bien aussi dans la pandémie, hein, j'en dirai un mot dans un instant. On vient de publier au PUF dans notre collection sur le soin un petit recueil qui s'intitule « Le soin en première ligne ». Vous trouverez dedans un article de François Ancermet, psychanalyste, qui montre et psychiatre, hein, qui montre très bien comment dans la pandémie se réveillent aussi des pulsions de mort, y compris dans l'idée, par exemple, on veut me faire vivre à tout prix. Non, j'ai bien le droit de mourir, disent certains philosophes. Si je veux mourir, je peux mourir. Pourquoi est-ce qu'on me forcerait à me vacciner ou à même protéger la vie des autres? Donc, il y a cette adversité et il faut le savoir. La vie se mène sur ce plan. Alors, puisque je dois finir, je vais passer un troisième et dernier temps très, très rapidement. Ce troisième temps est très important pour moi. Ce que j'appelle vitalisme critique, ce n'est pas seulement une philosophie de la vie traversée par son contraire, c'est une philosophie des vivants différenciée entre eux sur toute l'échelle des vivants. Et donc, il y a des degrés dans cette opposition. Et il se trouve que chez certains mammifères, et en particulier chez les humains, la vie prend une forme relationnelle de création d'individus, les uns par les autres, et d'une façon vraiment vitale, c'est-à-dire que si ça ne se fait pas, ils meurent. Et cette dimension relationnelle passe aussi chez les humains par le langage et par ce qu'on appelle l'attachement, et puis à son contraire qui est disons, la haine ou la guerre. Et donc, d'une certaine façon, voilà, je pense qu'il faut prendre littéralement ce troisième point qui nous reconduit aussi vers la littérature, l'idée qu'il y a certains vivants pour qui la vitalité face à la mortalité dépend des autres vivants. Et quand nous disons que un tel, une rencontre, un amour, une amitié, une parole bienveillante nous a redonné la force de vivre, ou au contraire qu'une méchanceté nous l'a enlevé, jusqu'à cette question du suicide, qui est toujours une attestation de cette négativité intérieure et sociale, autant que morale, eh bien, nous avons raison. Si vous le prenez littéralement, ce n'est pas du tout une métaphore. On se donne et on s'enlève les forces de vivre. Alors, il y a beaucoup de débats, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui pensent qu'on a une sorte de faculté presque indestructible de rebond, comme ça, la résilience. Moi, je suis assez réservé là-dessus. Je pense plutôt qu'il y a des conditions intersubjectives, relationnelles de cette force de vivre, qu'elles sont en effet très fortes, mais qu'elles ne sont pas indestructibles. Et que certains mauvais traitements nous enlèvent à certains humains définitivement la force de vivre, certaines expériences négatives aussi, certains traumatismes, mais que nous devons en effet, là c'est une expérience morale et vitale, hein, nous devons préserver les uns dans les autres, je dirais, une certaine force de vivre par-delà les obstacles. Et là aussi, ça renvoie aux conditions de ce qu'on vit. Catherine disait, voilà, c'est un peu dur de se voir à distance pour parler de la force de vivre, mais je pense que c'est justement parce que même face à un obstacle, on peut inventer. La technique n'est pas uniquement du côté du négatif, évidemment, c'est aussi des ressources. Donc, on a l'impression que la force de vivre, c'est un principe métaphysique, une âme, la volonté de puissance, le vouloir vivre. Moi, je crois que c'est plutôt des conditions très concrètes qu'il faut étudier selon les vivants et que les vivants humains doivent préserver contre toutes les facettes de la mort, parce qu'il y en a plus d'une. Il y a la maladie, mais il y a aussi la guerre et même le mépris ou simplement la tristesse. Donc, du côté des vitalistes critiques, on pense à cette dualité-là comme à ce qu'il y a d'ultime dans l'être et donc aussi à ces formes diverses, en particulier entre les humains. Merci Frédéric Vamps pour cette très belle présentation qui montre toutes les ambivalences, les ambiguïtés de cette grande force de vie qui n'est peut-être pas si grande que cela. Et elle n'est pas si faible non plus. Elle n'est pas si faible, voilà. Et avant, évidemment, d'entamer les discussions, j'imagine que vous aurez plein de questions à poser à Frédéric Vamps. Je donne la parole à Esther Pinon pour nous parler des contemplations de Victor Hugo. Alors, on est là aussi dans la contemplation qu'on a souvent présentée comme étant le recueil du deuil, le deuil de sa fille Léopoldine, et comme une longue méditation finalement sur le vivant puisé à son contraire. Alors, Esther Pinon va nous développer un angle qui me semble très, très original, qu'il a intitulé « La force minérale des contemplations ». Esther, je ne vous vois pas, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Donc je suis moi aussi très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui autour d'un recueil qui m'est cher. Et bon, il y aurait énormément à dire sur la force de vivre dans les contemplations. Donc j'ai choisi de centrer mon propos autour de cette question des pierres, parce que tout d'abord, on compare souvent les contemplations à des monuments de pierre, une cathédrale, une pyramide, un tombeau. Et pourtant, dans Notre-Dame de Paris, dans le célèbre chapitre « Ceci tuera cela », Hugo a affirmé que les édifices qu'il appelle les livres de pierre appartenaient au passé, puisque le livre de papier, les aurait tués. En effet, avec l'imprimerie, Gutenberg invente un alphabet de plomb qui permet de multiplier à l'infini les mots, les pages, et ainsi de diffuser la pensée, de permettre son envol. Et pourtant, malgré cette manière de récuser en quelque sorte la pierre, quand on y regarde de près, on trouve partout des images minérales dans les contemplations, des cailloux, des murs, des constructions. Et en particulier dans les livres qui ont été mis au programme, les livres 4 et 5. Et on peut se demander pourquoi tant d'images minérales quand la préface du recueil attribue à l'écriture une nature presque immatérielle, en la comparant à une goutte d'eau, à un rayon, à un soupir. On pourrait peut-être voir dans la roche un symbole de force, de résistance, un rempart contre la fragilité, la ténuité de l'existence humaine. C'est bien cette force que mettent en scène les célèbres clichés qui représentent Victor Hugo sur le rocher des proscrits. Mais cette force des pierres est aussi la force de l'oppression. Le rocher des proscrits inscrit dans le paysage la douleur de l'exil, de même que la pierre tombale matérialise la brutalité de la séparation entre les vivants et les morts. Donc la violence mortifère des pierres culmine dans les livres 4 et 5, qui pourtant constituent une étape essentielle dans le mouvement, la marche poétique, c'est-à-dire dans un mouvement vital, peut-être un mouvement vers l'immortalité, non pas des êtres, mais de la parole poétique. Autrement dit, la force de mort des pierres se retourne sinon en force de vivre, du moins en énergie vitale. Et j'aimerais essayer de montrer comment l'écriture opère cette transmutation. Il est très net que dans les livres 4 et 5, la pierre constitue un repoussoir. Elles construisent, ces pierres, un horizon négatif, ce contre quoi la parole s'édifie. Dès lors que le paysage des contemplations est traversé par le mal et le malheur, il devient un univers carcéral, muré de toutes parts, et ce sont souvent des pierres qui sont convoquées pour signifier la souffrance. Par exemple, lorsque Victor Hugo pense aux martyrs, c'est souvent l'image de la lapidation qu'il convoque, notamment dans « À Jules J. », le poème dédié à Jules Janin, où il mentionne le tas de pierres noires dont on l'a lapidé, ou encore dans « Les malheureux », où il évoque la figure de Saint-Étienne, le premier martyr dont on dit qu'il aurait été lapidé à mort. Les pierres, les murs, deviennent des obstacles à la vision, à la pensée, à la contemplation. Le mur est ce contre quoi tout vient se briser symboliquement, physiquement. Et les parents endeuillés éprouvent une irrésistible attraction pour cette cessation de la vie et de la pensée que représente la minéralité, la pétrification. La tentation du suicide est à peine déguisée dans « Oh, je fus comme fou dans le premier moment » et elle s'exprime par la rencontre la plus brutale qui soit avec une pierre, je cite « Je voulais me briser le front sur le pavé ». Cette négativité complète des pierres n'est pas seulement motivée par la puissance visuelle, poétique et symbolique des images utilisées pour la traduire. Elle prend sens aussi dans le système métaphysique issu des révélations que les tables parlantes auraient faites à Victor Hugo, révélations dont rend compte
le dernier grand poème du livre 6, ce que dit la bouche d'ombre. La bouche d'ombre affirme que le mal, c'est la matière. Par conséquent, dans le système de pensée de Hugo, le règne minéral, qui est le plus dense, le plus lourd de tous, constitue le fond de l'horreur. Je cite ce que dit la bouche d'ombre. « Or, la première faute fut le premier poids. Dieu sentit une douleur, l'âme tomba, des mots multipliant la somme, dans la brute, dans l'arbre, et même au-dessous d'eux, dans le caillou pensif, cet aveugle hideux, être vil, qu'à regret les anges énumèrent. » La pierre apparaît ainsi d'abord comme le concentré du mal, du crime et du châtiment. La fonction du poète serait donc d'abattre les murailles qui enferment de toutes parts l'humanité, d'ouvrir par sa parole au moins une brèche dans la parole universelle. Il s'agit de soumettre la matière à la voix des prophètes, comme Hugo le suggère dès le début du livre 1 dans le poème suite, lorsqu'il compare le mot aux trompettes du peuple d'Israël, dont le seul son aurait fait s'écrouler les murailles de Jéricho, selon le livre de Josué. Mais rien n'est manichéen dans les contemplations. Le manichéisme est envisagé un instant dans « À qui donc sommes-nous ?», mais il est qualifié de « songe horrible », donc de « vision à dépasser ». Par conséquent, le règne minéral, quelle qu'en soit la négativité, n'est pas irrévocablement condamné. Parce que tout est plein d'âme, selon Hugo, et c'est encore la bouche d'ombre qui le dit, le poète appelle à la pitié et à la paix pour les pierres, qui sont comprises au même titre que les emblèmes de la nature innocente, dans la grande amnistie qui clôt le poème final du recueil à celle qui est restée en France. Toit, mur, seuil des maisons, pierre des catacombes, feuilles au fond des bois, plumes au fond des nids, dormez, dormez, brin d'herbe, et dormez, infini. Le recueil réhabilite donc la pierre, y compris poétiquement. Le verbe lui donne vie par la comparaison, par la métaphore, par le jeu des associations ou des connotations. Et en retour, le livre reçoit de ces mêmes pierres un surcroît de sens. Elles font partie du grand alphabet du monde que le contemplateur déchiffre. Et donc, en parfaite cohérence avec cette mission du poète prophète de Jéricho et aussi avec tout un pan de l'imaginaire romantique, le salut des pierres et des murs réside d'abord dans leur propre effondrement. Parce qu'elle se change en ruine, la pierre se fond dans la nature, elle perd de sa dureté, et par là elle se rédime, ou du moins elle acquiert une valeur symbolique tout autre. On le voit bien avec la chaumière et la masure, qui sont des motifs récurrents du recueil, des asiles presque naturels, et qui représentent le type même de l'architecture sainte. Elles sont le logis des mages, le pâtre de Magnitudo Parui et surtout le vieillard des malheureux, dont l'abri est si fragile qu'il faut à cet abri lui-même la protection de la forêt et de l'antre. Je vis parmi les grès, les houes, les sauvageons, fumer un toit bâti de chaumes et de joncs. La fumée avait peine à monter dans les branches, les fenêtres étaient les crevasses des planches. On eût dit que les rocs cachaient avec ennui ce logis tremblant, triste, humble, et que c'était lui que les petits oiseaux sous le hêtre et l'érable plaignaient, tant il était chétif et misérable. Ces logis délabrés, plus végétaux que minéraux, et que seul un panache de fumée permet de distinguer dans la nature, ces logis introduisent dans le recueil les connotations positives du foyer qui se communiquent aux maisons de pierre et même aux grottes et aux rochers. Le minéral devient alors l'abri, le refuge, le lieu de la chaleur humaine, par exemple pour la petite gardeuse de chèvres, de pasteurs et troupeaux, qui habite au fond d'un ravin noir, un vieux chaume croulant qui s'étoile le soir. Ses sœurs sont au logis et filent leurs quenouilles. Cependant, cet idéal du foyer est invalidé par l'exil. Dans « À vous qui êtes là », la présence rassurante des proches ne suffit pas à rebâtir un refuge familial. Les cœurs vrais ne sont pour le proscrit que, je cite, « le lierre de ses décombres ».
L'image du logis chaleureux est aussi évidemment mise à mal par le deuil qui dépeuple les maisons, qui prive les foyers de leur flamme. Dans Claire, un poème du livre 6 dédié à la fille de Juliette Drouet, le poète s'interroge. Nous disons, à quoi bon l'âtre sans étincelle ? À quoi bon la maison où ne sont plus leurs pas ? C'est pourquoi la maison est le décor de Pau Kamehe, où la reconstruction par petites touches de la demeure familiale heureuse constitue, si l'on peut dire, la pierre angulaire du pathétique. Dans « Oh, je fus comme fou » dans le premier moment, on a vu tout à l'heure que le pavé était un signe et un instrument de mort, mais en réalité, tout le logis vibre encore du souvenir et peut-être de la présence de la disparue. Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible, enfin, qu'elle j'allais la voir. Que de fois j'ai dit « Silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. » L'irruption de la mort et la hantise du vide révèlent ainsi par contraste la vie des pierres et des murs. Les souvenirs heureux de quand nous habitions tous ensemble suggèrent que la chaleur et la lumière de la maison la transforment en un foyer d'attraction des âmes, les âmes des vivants qui l'illuminent pour un temps, mais peut-être aussi d'autres âmes plus lointaines. La comparaison des 7e et 11e strophes du poème autorise cette interprétation. Je cite la 7e strophe. « Le soir, auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit, tandis qu'à la vitre rougie heurtaient les papillons de nuit. » Et la 11e, « Puis, vers la lumière isolée, étoilant le logis obscur, nous revenions vers la vallée en tournant le coin du vieux mur. » Le père et sa fille, comme les papillons, sont invinciblement attirés par la lumière du foyer. Et si l'on se souvient que le papillon psyché en grec symbolise l'âme, on devine derrière cette énumération émue de détails qui donne vie au souvenir, l'espoir de voir revenir celle qui éclairait alors la maison qui s'est à présent éteinte. Les âmes des défunts sont peut-être attirées vers les maisons où elles ont vécu, comme les papillons vers la lumière du foyer. Les motifs ainsi esquissés articulent la poésie de l'intime et de la mémoire à la poésie de la vision et de la révélation. D'ailleurs, l'un des grands poèmes du dernier livre, un des grands poèmes visionnaires, s'intitule « À la fenêtre pendant la nuit ». Par cette fenêtre ouverte sur la nuit, le logis du poète s'avère être la demeure d'un mage, au même titre que les chaumières et les masures mal closes des pâtres et des malheureux. Ces fenêtres, ces portes, ces marches sont autant de voies mystérieusement ouvertes sur l'infini, sur l'inconnu. La topographie de Jersey, avec ses grèves hantées, ses dolmens légendaires, et aussi l'emplacement de Marine Terrace, une maison qui était bâtie entre la mer et un cimetière, toute cette géographie joue un rôle clé dans la métamorphose de la minéralité. Dans le paysage de l'exil, la pierre n'est plus une borne, c'est un seuil. Ainsi que le rappelle le poème Aurore, toujours au livre 6, « La pierre de mon seuil, peut-être, est la première des sombres marches du trépas, car la maison d'exil, mêlée aux catacombes, est adossée au mur de la ville des tombes. » Au terme de son parcours, le poète a, dans la fréquentation de la mort et de l'au-delà, acquis le don que possédait la nature dans les premiers livres, le don d'attendrir les roches. Au début du livre 1, dans le poème intitulé « Le firmament est plein », il contemplait un vieux antre attendri qui pleurait comme un visage. Et dans « À celle qui est restée en France », le dernier poème donc, il proclame à être celui dont, je cite, « la parole âpre ou tendre émeut les pierres ». Dans ce parcours, les livres 4 et 5 jouent un rôle clé. Ils sont ceux où le contemplateur vit au quotidien, dans le voisinage des pierres. À mesure qu'il éprouve leur dureté, elles lui deviennent familières, elles s'intègrent dans sa vie, au point qu'il peut à son tour leur donner vie, tantôt en fleurissant par ses mots une tombe sur laquelle il ne peut plus se rendre, tantôt en révélant par ses vers le sublime d'un paysage rocheux.
Ainsi, la négativité des pierres se dissout à mesure que la parole poétique leur imprime son dynamisme. Si les murs demeurent négatifs, c'est au sens photographique du terme. Ils deviennent des supports, des écrans, qui ne sont plus des obstacles, mais des pages blanches sur lesquelles projeter la vérité. Dans Clair, la véritable nature des enfants qui sont de passage sur Terre se dessine en noir sur blanc. Ils sont là, près de nous, jouant sur notre route, ils ne dédaignent pas notre soleil obscur, et derrière eux, et sans que leur candeur s'en doute, leurs ailes font parfois de l'ombre sur le mur. Les murs sont en effet des pages à l'échelle des mages. Aussi, Hugo sème-t-il dans son livre les signes de ce qu'on pourrait appeler une poésie pariétale. Les noms des artistes sont gravés dans la pierre et ainsi deviennent immortels. Par exemple, dans Apol M, auteur du drame Paris, « Tu graves au fronton de pierre de ton œuvre un nom proscrit que mort en sifflant la couleuvre. » On retrouve cette même idée dans les mages au livre 6, où s'établit implicitement un parallèle entre l'art de l'architecture et celui de l'écriture. Les poètes, eux aussi, bâtissent une œuvre de pierre, destinée à être un lieu habité, un lieu de vie. La pierre n'est plus alors le signe de la dureté, elle est au contraire l'unité de base d'une muraille qui devient page, en même temps que la page devient pierre vive, puisque Hugo intègre à son recueil des textes supposément gravés dans le marbre, comme écrits sur la plinthe d'un bas-relief antique ou épitaphe dans le livre 3. Dans cette fusion de la pierre et du papier, de la vie et de la mort, de la pesanteur et de l'envol, ou encore de la fragilité et de la force, la poésie des contemplations rend l'alphabet de pierre plus mobile encore que l'alphabet de plomb, et cette même poésie parvient même à rendre les pierres incandescentes. Elles brillent en effet par le pouvoir de l'écriture qui leur donne vie, dans « À Jules J » notamment, « Et tu fais un autel de pierre, pardon, et tu fais un autel de lumière inondée du tas de pierres noires dont on m'a lapidé. » Donc les cailloux, les stèles, les murs, les rocs, sont dans les livres 4 et 5 beaucoup plus que des éléments de décor, si symboliques soient-ils. Ils sont le révélateur des ambitions de l'écriture poétique, écriture poétique qui consiste à retrouver par la grâce des mots la lumière dans la pierre, c'est-à-dire la fragilité émouvante de la vie dans la dureté du réel, ou encore à trouver une nouvelle force de vivre contre et avec la force des choses. Je vous remercie. Je crois qu'il faut que vous remettiez votre micro. Pardon. Merci. Merci pour cet exposé. Trouver la lumière dans la pierre, je pense que ça peut être une des traductions de ce thème, la force de vivre, et on va certainement en reparler. Autre éclairage qui est presque contemporain, en tout cas, effectivement, il s'est passé quelque chose avec la force de vivre au 19e siècle, il y a à n'en pas douter, surtout dans la deuxième partie du 19e siècle. Guillaume Métayer, vous allez nous parler de Nietzsche et de cette légende de Saint-Janvier qui nous intéresse même en ce moment que la neige tombe à Paris. Nietzsche était plutôt au soleil de Gênes pour choisir le grand oui à la vie, la mort fatie et le désir d'apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Alors le thème est une longue discussion avec le romantisme, et je pense que c'est aussi cet aspect-là qui est certainement, historiquement, nous parle encore. Guillaume Métayer, je vous laisse la parole pour nous parler donc de Nietzsche, le gai savoir, la mélancolie, merci les beaucoup. Forts et les faibles. Voilà, les forts et l'apostrophe. Merci beaucoup, chère Catherine Portevin, merci à la Cité des Sciences, merci à toutes et à tous pour votre invitation, vos participations et vos interventions. D'ores et déjà passionnante. Alors bon, dire, Nietzsche fait évidemment une place essentielle à la notion de vie, hein,
dans sa philosophie. C'est un terme, une notion qui sont très importants et probablement d'ailleurs est-il l'un des premiers philosophes à faire une place aussi importante à cette notion dans le sens moderne où nous l'entendons, dont parlait tout à l'heure Frédéric Forms. Alors l'expression « la force de vivre » est-elle justement fidèle à sa pensée de la vie ? Eh bien, je vais donner quelques éléments d'approche personnelle. Premier élément, première remarque, c'est que, exactement comme ce que disait Frédéric Forms, je comptais commencer par là, nous sommes à l'unisson, cette expression recèle un paradoxe, parce que la vie est quelque chose, bon, alors d'une part, c'est quelque chose qui nous a été donné, que nous n'avons pas demandé, pour lequel nous pensons ne pas avoir lutté, même si nous avons en réalité lutté ou fait effort. Et donc, l'expression la force de vivre, semble sous-entendre que vivre ne relève pas de cette évidence-là, de cette simplicité, cette facilité, mais qu'elle nécessiterait une certaine force, voire un certain effort. Il ne suffirait pas de se laisser vivre, autre expression cette fois péjorative, mais il faudrait, d'une certaine façon, faire appel à une force particulière. Et en effet, comme Frédéric, j'ai été frappé par le fait que cette expression est souvent négative. C'est souvent « je n'ai pas la force de »,« je n'ai plus la force de vivre », donc par opposition à la force de vivre, par opposition à l'évidence du fait de vivre. Et ça, ce paradoxe, d'une certaine façon, c'est un paradoxe encore plus pour Nietzsche, dont chacun sait de l'extérieur, en tout cas, qu'il est un promoteur de la vie la plus forte, de la volonté de puissance, etc. Mais ce paradoxe, j'aimerais lui donner raison un moment chez Nietzsche, en démontrant que la conception nietzschéenne de la vie, telle qu'elle se développe notamment dans le Gai Savoir, mais plus profondément et plus avant, en avant du Gai Savoir, en amont du Gai Savoir, elle répond aussi à une espèce de première strate, un substrat et une matrice, un substrat matriciel, qui est précisément, d'ailleurs Frédéric Vance en a parlé aussi, le substrat pessimiste, c'est-à-dire un substrat dans lequel la vie, le plaisir de vivre, le désir de danse, mais au contraire, ce qui est mis en avant, mais qui est instable, la difficulté de vivre. Et ce substrat, je le trouve tout d'abord dans les poèmes de Nietzsche, qui sont des poèmes très souvent marqués par la mélancolie. Un aspect qui a été assez peu pris en considération par les études nietzschéennes, en l'occurrence ces nombreux poèmes, ces innombrables poèmes, et leur tonalité. Alors, certains de ces poèmes, bien sûr, sont des poèmes de jeunesse, et parfois de prime jeunesse, parfois ce sont des exercices d'époque, un peu datés, bien sûr, mais certains sont des textes fondamentaux, à mon sens, ou dans lesquels Nietzsche fait des expérimentations philosophiques essentielles, et en particulier sur cette question de la vie, ou du vivre. L'un d'entre eux qui m'a particulièrement arrêté est justement une ode à la mélancolie, An die Melancholie en allemand, la mélancolie, un poème de 1871, donc Nietzsche a 27 ans, c'est pas tout à fait un poème de jeunesse totale, mais enfin quand même, pas de vieillesse non plus, et il nous intéresse ne serait-ce que parce qu'il met en avant la notion de vie d'une façon extraordinairement emphatique, dans un vers qui m'a tellement surpris lorsque je l'ai traduit que je n'ai pas d'abord vu à quel point Nietzsche avait insisté sur cette notion, puisqu'il utilise le terme trois fois de suite. Il dit « nach Leben, 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 Lex », que je languis pour la vie, la vie, la vie, und verrückt inlassablement. La vie, la vie, la vie, comme ça dans un poème, c'est assez étonnant. C'est un fait rarissime qui montre que d'ailleurs la notion de vie subjugue, stupéfie le langage, qu'il est obligé de répéter pour essayer d'arriver à la hauteur de cette notion dans toute sa force. Et ce poème de 1871 est intéressant parce que précisément, il met en scène le retournement d'une attitude morbide, marquée par ce qu'on appelle la mortification, c'est-à-dire quand on se porte à soi-même la mort dans une logique ascétique, pour faire un appel à la vie, nach Leben, 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 comprise comme une force justement, et même comme une violence. Je cite le poème de Nietzsche en français dans ma traduction. « Partout la pulsion de meurtre aux dents grinçantes, morte gelust, siffle cruel désir de s'adjuger la vie, sich Leben zu erzwingen. »
Donc on a vraiment un poème d'une grande violence qui commence hein, par la peinture d'un ermite sur une souche, qui est une sorte de... Il dit d'ailleurs un arbre mort, un mort sur un arbre mort, un vautour qui tourne autour, etc. Et Nietzsche met en scène hein, ce sujet lyrique, hein, là on retrouve un peu les contemplations, il se met en scène en train de subir cette attaque du vautour avec plaisir, parce que c'est le Nietzsche schopenhauerien, mais dans la deuxième partie de ce poème, eh bien, il renverse ce schéma au nom de la conquête de la vie. Alors on est donc dans le premier Nietzsche, mais dans le premier Nietzsche qui est en train de devenir le deuxième Nietzsche, c'est-à-dire celui qui fait de l'idéal ascétique une étape à dépasser, c'est-à-dire celui qui fait de la mort en soi une étape à dépasser, mais à dépasser comment ? Pas de façon cruelle, hein. Un peu inquiétante pour nous quand on connaît l'histoire de ce qui a suivi, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'idée que la mort en soi doit être convertie dans la mort que je donne à l'autre, en fait. La mort que je me donne à moi dans l'ascétisme mortificateur, et bien finalement, je peux la dépasser en donnant la mort. Hein. C'est vraiment ce qui est expliqué dans ce poème, tout à fait étonnant hein, et frappant. Donc il y a un vautour comme Prométhée, c'est une sorte de Golgotha, il y avait pas mal de poèmes aussi sur le Christ, c'est à la fois un Prométhée, un Christ, tout ça mélangé dans un syncrétisme poétique un peu étrange, dans la Suisse de 1871, peu importe le détail, en tout cas c'est un poème intéressant parce que, du point de vue littéraire, je laisse de côté, mais il s'inscrit dans le pessimisme schopenhauerien pour le dépasser, et en même temps, il imite le poème, un type de poème de l'époque, qui est le poème animalier, darwinien. Et justement, c'est à un moment où Nietzsche, semble-t-il, hein, est en train de dépasser, ou de vouloir dépasser sa première période schopenhauerienne à l'aide du concept, disons, de « struggle for life », en fait, hein, un concept darwinien. Et il le fait dans un contexte poétique qui est celui de l'époque où il y a énormément de poètes qui imitent, qui mettent Darwin en vers. Et en France, exactement au même moment, il y a un certain nombre de poètes qui font ça, notamment Anatole France, hein, le jeune Anatole France, qui est un contemporain exact de Nietzsche, et qui ne cesse de mettre en scène Darwin avec des combats de... qui font, eux, naître la vie par la procréation, ce qui n'est pas du tout un aspect qu'a conservé Nietzsche hein, dans son poème. Hein. C'est très intéressant, ça, de ce point de vue-là. Donc, on a ici un poème. Et évidemment, c'est une espèce de scène primitive hein, par rapport au Gai Savoir qui intervient plus de 10 ans après, mais qui, d'une certaine façon, j'ai l'impression, rejoue, répète hein, cette scène primitive. Avec poétique hein, du recueil lui-même, l'ouverture poétique du livre 4 qui intéresse les étudiants, avec Saint-Janvier, glaciation mortifère de l'hiver. Hein. Donc il y a une peinture aussi d'une espèce de dépassement de la mort provisoire de la saison hein, par l'apparition du nu, finalement, répète cette espèce de scène primitive, et pour évoquer des moments philosophiques. Mais on peut mesurer peut-être ici le terrain parcouru. Et notamment, cette fois, il ne s'agit plus cette fois d'une passage d'une mortification, de la mortification au meurtre, hein, morte qui est lustre quand même, c'est assez fort, mais d'un vent de dégel et non plus d'une avalanche. Mais justement, il s'agit non plus d'une opposition binaire de la mort en soi à la mort dans l'autre, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil, qui se veut beaucoup plus subtil. Alors, d'une part, on sait que Nietzsche, à cette opposition binaire, mort-vie, mort-meurtre, oppose, bien sûr, substitue la notion de maladie hein, son rapport avec et de santé dans son rapport avec la philosophie. La maladie est un état morbide, pour le coup, on peut utiliser ce terme, mais dont la diversité des symptômes échappe au simple manichéisme de la dépression.
L'avant-propos du gai savoir le sous-entend, c'est une philosophie de la santé, une conception sanitaire de la philosophie qui est à l'œuvre ici. Et l'affirmation de la vie n'y est plus, comme dans le poème de jeunesse, le cri du vivre à tout prix. La violence, et pour ainsi dire la fureur de vivre, mais une autre façon, une façon d'étudier la masse, c'est ça qu'il faut lire ce livre 4, hein, se corrobore. C'est-à-dire une manière constante d'identifier les forces de la vie, encore une fois, qui seraient des sortes d'extériorisation de l'agressivité, ce modèle. Donc, toute la série d'aphorismes du livre 4, hein, les ordres des fragments, des façons de déjouer de ce point de vue-là, hein, il ne pense plus uniquement en termes de pessimisme, les valeurs par rapport notamment à la notion de vie, hein, qui sont à l'œuvre dans différentes actes, donc qui font ou non Donc voilà comment, à mon avis, on doit lire, on peut lire en tout cas cette antériorité héroclite qui est volontaire évidemment. Et à quoi sert ce caractère hétéroclite? Je dirais il sert à deux choses en particulier. D'une part, il met en scène bien sûr un sport d'éparpillement de la vie dans son surgissement au moment de Saint Jean, je vois qu'on me fait des signes d'oreille. Est-ce que vous m'entendez? Personne n'entend, j'ai l'impression. Voilà, donc je disais qu'en fait, Nietzsche parle de Saturnale, d'un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue pression. Hein. C'était ça le principe. Donc ce caractère hétéroclite met en place une sorte de Saturnale. Hein. C'est une sorte de carnaval, si on veut dire, d'époque, hein, du présent à l'Antiquité, les stoïciens, les épicuriens, en passant par Spinoza, carnaval de lieu, l'inscription autobiographique aussi, qui est très importante, hein, et tout un arsenal de métaphores, hein, pour montrer précisément l'interaction, hein, entre la vie et la philosophie et à travers l'écriture et à travers l'art, hein, qui inscrit la vie comme zoé, si on peut dire, hein, comme force de vie, à l'intérieur de la biographie, du bios. Voilà. Et je crois que tout ce quatrième livre de Nietzsche est en fait une manière de montrer, rassembler... communiquant dans les fragments, hein, ce qui a été, selon lui, abstraitement séparé, hein, par la tradition de l'idéalisme, hein, c'est-à-dire la fin d'une glaciation, non seulement dans la saison, hein, dans le moment précis de l'année 81, mais qu'importe M. Nietzsche, comme il dit, mais aussi plus généralement dans la philosophie. Donc chaque invocation d'un élément hétéroclite, je crois qu'il faut le comprendre comme une transgression, hein, d'un certain nombre d'attendus de l'écriture philosophique et notamment de l'écriture de ce qu'on peut appeler l'idéalisme philosophique de son temps. Il s'agit donc d'aller rechercher dans le sujet lui-même, dans l'inscription biographique, dans les objets de ce sujet, hein, chaque fois mis en scène, des ressources pour augmenter ce qui va du côté de la force de vie, si on peut dire, hein, des forces du vivre. Voilà. Et de ce point de vue, l'esthétique est fondamentale, hein, l'appel à l'esthétique, à l'art, non pas bien sûr que Nietzsche soit un esthète au sens habituel du terme, mais dans la mesure où il cherche à montrer comment notre rapport à la vie peut être retrouvé, grâce à l'art, en mettant ensemble les images, les couleurs, les formes, les organisations spatiales. Donc on a des références à l'architecture, etc. Et cela, me semble-t-il, est un héritage poétique aussi. Mais c'est un héritage poétique
d'un des poètes français qui ont beaucoup marqué Nietzsche, hein, qui est l'un des premiers grands wagnériens français, qui est Baudelaire. En fait, il y a une mise en scène dans ce quatrième livre, il y a une sorte d'usage de la synesthésie, c'est-à-dire des correspondances baudelairiennes, au bénéfice d'une philosophie de la vie. Nietzsche essaie de montrer comment communique, hein, comment ne cesse de communiquer ces domaines qui sont normalement abstraitement séparés. Domaine du biographique et domaine du philosophique, hein, où normalement on oppose de manière un peu topique, on opposerait l'inscription personnelle, le moment et l'éternité de la réflexion idéalisée. Là, au contraire, on est dans la personnalité, ses sensations, ses sentiments, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, mais répondent aussi à une philosophie de la vie, justement, avec comme instrument de cette philosophie de la vie, l'art. Voilà, l'art, les arts, l'esthétique. Donc, tout cela dans un, et c'était mon deuxième point par rapport à pourquoi un tel caractère hétéroclite, tout cela se déploie dans l'aphorisme. Pourquoi ? Parce que Nietzsche a comme, disons, a une idée pédagogique, on pourrait dire, qui est de laisser à son lecteur, hein, la possibilité. C'est un peu comme un défi aussi, de construire sa propre philosophie à partir des incitations, à partir de cette médiation philosophique qu'est son texte volontairement fragmentaire. Hein. D'une certaine façon, un livre dont le lecteur fait l'autre moitié, hein, un peu comme chez Voltaire. Et d'ailleurs, il en parle un moment, hein, il dit « je ne peux que rappeler, ich kann nur erinnern, hein, je ne peux pas plus ». Donc, tous ces textes sont des sortes ce livre est une sorte d'anamnèse, hein, des forces de vie, une façon de se remémorer, d'aider à se remémorer le lecteur, de l'aider à se remémorer de ce qui a chez lui, pour lui constitué des ressources, hein, de la vie, un petit peu comme Saint Janvier fait réapparaître le sang, et un peu comme le mois de janvier va commencer à ouvrir une nouvelle vie. Mais, et ce sera mon dernier point, cette diversité, cette ouverture à laquelle Nietzsche invite, hein, est en même temps, d'une certaine façon, on pourrait dire limitée, parce qu'il ne s'agit pas d'une diversité relativiste, hein, il s'agit malgré tout, chez lui, d'une hiérarchie, comme vous le savez, et cette hiérarchie, elle dépend d'un concept de la vie. Ça, je crois que Frédéric Worms y faisait allusion tout à l'heure, hein, qui n'est pas purement une opposition à la mort, hein, qui n'est pas un concept de la vie qui mène à la survie, pour reprendre un terme qu'a utilisé Frédéric tout à l'heure, mais une spécification de la notion de vie dans ce qu'il appellera la vie ascendante, c'est-à-dire ce qui est le plus la vie dans la vie, d'une certaine façon. Il y a une sorte de choix d'un segment de la vie, hein, c'est la vie ascendante, et qui nous amène à sacrifier la vie, à sacrifier notre existence. Et donc, sous couvert d'une philosophie ouverte en fragments, laissant à chacun la possibilité de trouver ses propres forces individuelles de vivre, en réalité, derrière ce masque, hein, Nietzsche a quand même une idée hiérarchique de la vie, hein, qui finalement va, selon lui, devoir aboutir à une sélection. C'est la sélection nietzschéenne, hein, à une sélection, et donc à créer une hiérarchie volontiers cruelle entre les vies, mais au nom de cette conception particulière de la vie. Voilà, j'ai terminé parce que je ne sais pas ce que vous avez entendu et pas, donc je crois qu'il vaut mieux que j'arrête là les dégâts. Merci. Non, les dégâts, comme vous y allez. Je crois qu'on a quand même entendu la grande majeure partie de votre intervention. Il y a eu juste un petit moment de blanc. Mais j'ai eu un moment d'inquiétude quand je vous demandais si vous m'entendiez et que personne ne répondait. Là, j'ai non, vu... non, non, mais on est... On... Rouge. Noir. C'est vraiment le moment, où il y a deux minutes avant, où effectivement, d'accord, on vous a un peu perdu, mais c'est tout. Merci. Non, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de cette intervention. Je pense qu'effectivement, là, on ouvre vers quelque chose, d'un terme que vous n'avez pas prononcé, mais qui s'applique tout à fait à Nietzsche, c'est-à-dire une espèce de rédemption dionysiaque de la souffrance ou de l'existence ou de tout le négatif.
Alors, comme le temps presse un peu, moi, je vous propose que nous passions tout de suite aux questions. Alors, je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont en ligne, tous les étudiants ou professeurs qui sont en ligne sur Zoom. Alors, ce que je vous demande de faire, si vous avez une question, proposez votre question que vous pourrez poser en direct. Il faut que vous alliez vous cliquez en bas de votre écran sur l'icône participant. Vous allez voir tous les participants qui s'affichent. Et en bas, vous avez un bouton qui s'appelle lever la main. Et donc, je vous demande ceux qui veulent poser leurs questions de se signaler en levant la main. Et puis je vous donnerai la parole en vous appelant par votre nom et nous allons essayer de faire passer le plus possible de questions. Le temps que vous signaliez, peut-être là j'aimerais demander à Frédéric Worms de réagir aux deux communications que vous avez entendues, surtout sur cette il y a eu beaucoup de signes qui pouvaient aller vers votre définition de l'existence. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce que vous avez, surtout sur Nietzsche peut-être? Merci. Oui, j'ai été très, très impressionné par les deux exposés. Au fond, la minéralité chez Victor Hugo, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est à la fois une projection finalement du négatif sur la nature et en même temps il y a une sorte d'appartenance à la nature, donc il y a la question de l'extension aussi de la vie vers la nature. Et puis je serais bien revenu sur est-ce qu'il peut y avoir une positivité de la pierre au-delà de la pierre tombale et de la dureté de la pierre, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de positivité, où serait cette positivité, ça m'a beaucoup intéressé pour plusieurs raisons. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très impressionnant. Et puis du côté de Nietzsche, ça m'a confirmé, c'était évidemment une très belle lecture aussi entre la poésie et la philosophie, et il y avait cette question finalement de la norme et de ce qui est positif et négatif chez Nietzsche. Au fond, est-ce que la vie s'oppose à la mort ou pas? Et cette cruauté, quand on n'a pas cette polarité, moi c'est ça ma difficulté avec Nietzsche, hein, mais c'est peut-être un petit peu abstrait, mais quand même quand on n'a pas une polarité au fond de la vie et de la mort, on est obligé d'avoir une sorte de concurrence entre le plus et le moins de vie qui peut amener à cette sélection un peu effrayante ou cette question de la lutte entre les forces vitales et de la cruauté aussi. Je me demandais si au fond cette question de la sélection, cette question de la concurrence des forces chez Nietzsche, elle venait pas du fait que malgré tout il refuse, alors je sais bien qu'on est par-delà bien et mal, mais peut-être que le bien et le mal sont des abstractions construites par des morales, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même dans le vivant une sorte de négativité première? C'est un débat que j'aimerais beaucoup avoir avec ceux qui lisent Nietzsche de près comme Guillaume, parce qu'au fond on sent qu'il y a quand même ce bloc vital qu'il y a chez Schopenhauer, hein, cette vie un peu sans contraire, mais il n'y a pas non plus la vie et la mort, il y a une sorte de concurrence entre des forces qui peut mener à cette surenchère, hein, cette surenchère avec la sélection, la cruauté, mais qu'il faut pas évidemment sur laquelle il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire tu as terminé là-dessus, là, sur cette sélection, et peut-être qu'il faut pas s'y tromper, comme tu l'as dit très très fortement, mais elle est au nom de cette conception-là de la vie, une vie comme affirmation et comme refus quand même de quelque chose. Alors donc voilà, il y a la question, faut pas se tromper de critères de sélection,
c'est vrai que c'est je crois quand même qu'on pourrait retrouver chez Nietzsche une sorte de refus du négatif, de refus de l'humiliation aussi, de refus de la petitesse, de refus de ce que Deleuze le lisait comme ça, du refus de ce qui est réactif, de ce qui est quand même une forme de voilà. Donc il y a, et au nom de l'affirmation, on n'est pas dans un critère de pure force, voilà. Mais bon, pardon, hein, c'est des réactions un peu générales, mais c'est deux exposés que j'ai trouvé très, très, très beaux, précis, et avec des textes très forts, très, très clairement mis à l'épreuve de la question. En tout cas, les deux nous ouvraient aussi à la puissance de la poésie, ce qui était assez inattendu. À dire vrai, je ne pensais pas la trouver aussi fortement. Y compris chez Nietzsche, ce qui n'est pas une surprise, mais enfin, c'est un aspect sur lequel je trouve très intéressant d'avoir insisté. Guillaume, peut-être juste répondre en attendant que les questions se signalent, peut-être répondre sur cette question de ce côté darwinien, alors faussement darwinien, parce qu'il faut être aussi assez précis sur le fait que la théorie de l'évolution de Darwin n'est pas... a été résumé socialement par Struggle for Life et l'unique survie du plus apte, donc comme une volonté de puissance ou une survie que des plus forts contre les faibles, mais ce n'est qu'une interprétation. Guillaume, peut-être rappeler ça, et puis Esther, je vous demanderai aussi après d'avoir une réaction. Oui, alors bien sûr, hein, le poème par lequel j'ai commencé hein, est bien sûr très daté. C'est un poème de 1871 et déjà à l'époque, Nietzsche utilise une forme de darwinisme ambiant, mais n'est pas du tout un darwinien. Et ensuite, il va très clairement préciser en quoi il n'est pas darwinien. Hein. Il va très clairement préciser en quoi il n'est pas darwinien, mais précisément dans la mesure même où il essaye d'avoir une conception de la vie qui est ce plus dont on parlait avec Frédéric, et non pas une conception de la vie ni comme survie, ni comme adaptation, mais au contraire comme surplus, comme débordement, et un débordement qui peut aller jusqu'à accepter effectivement la mort hein, au nom de ce débordement du plus de la vie. Voilà, hein, c'est toute la question nietzschéenne, c'est-à-dire que ce n'est pas s'adapter pour survivre, hein, qui est le propre de la vie, mais au contraire de s'affirmer en tant que vie. Donc, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et évidemment, il n'était pas vraiment darwinien en 1871. Bon, mais c'est un poème, donc on ne peut pas en tirer exactement toujours une thématique tout à fait précise, hein, des éléments totalement précis du point de vue philosophique, plutôt des tendances. Et bien entendu, après, il précisera la différence entre sa conception de la vie et la conception d'harmonie. Esther, est-ce que vous avez à répondre sur la question de la pression de Frédéric à propos C'est pas vraiment de, une question. C'est une impression, enfin, une, voilà. Oui, enfin, je voudrais en tout cas... réagir sur les échos que j'entends entre Nietzsche et Baudelaire et sur ce débordement de vie justement qui est présent aussi chez Hugo. Alors on le voit moins dans les livres au programme parce que paradoxalement ce sont les deux livres les moins vivants qui ont été au programme, mais dans le livre 2 par exemple, L'âme en fleur, on voit très bien ce débordement dans un livre très printanier qui décrit une vie foisonnante. Alors, c'est peut-être moins la force de vivre que la force de la vie qui est montrée dans ce livre. Mais voilà, on a cette césure dans le recueil hein, entre autrefois et aujourd'hui. Du côté d'autrefois, je schématise énormément, hein, mais on a cette force de la vie foisonnante, bourdonnante, et puis ce passage par la tombe, par la mort qui amène à aujourd'hui et qui amène à relire cette force de la vie avec justement toute cette reconstruction métaphysique qui vient des expériences spirites de Hugo et cette idée qu'il y aurait une continuité de l'âme de la forme la plus élevée qui est pour Hugo la plus immatérielle, c'est-à-dire l'ange. Puis dans l'échelle des êtres, le degré inférieur, c'est l'homme, puis la bête, puis la plante
qui paraissait dans le livre 2 vraiment cette vie heureuse, presque dionysiaque justement, et dont on découvre, dont on apprend aujourd'hui que c'est finalement une prison aussi, que la rose est une prison dans l'échelle des êtres, et tout en bas de ces degrés, la pierre. Mais ça signifie que la pierre, malgré tout, est animée, et qu'il y a ce paradoxe très, très surprenant d'une âme dans le non-vivant. Pour Hugo, c'est vraiment le comble de l'horreur, l'âme enfermée dans ce qui ne vit pas, mais c'est aussi le point de départ d'une ascension, puisqu'on a cette échelle qui va de haut en bas, mais aussi de bas en haut. Donc c'est en cela que la pierre m'intéressait, parce qu'elle est le nœud, en quelque sorte, de cette reconstruction que tente Hugo pour résoudre la question du mal, parce que c'est ce qui le hante dans les contemplations, et qu'il rebâtit toute cette verticalité pour essayer de résoudre cette question insoluble pour lui de l'existence du mal. Alors, je crois d'ailleurs que c'est vraiment pour cette raison-là qu'il est particulièrement intéressant de lire Victor Hugo et Nietzsche et Baudelaire et ensemble, parce qu'effectivement, il y a quand même ce que Frédéric Worms, dans son histoire contemporaine de la philosophie, appelle un moment, et là, il y a quand même un moment du mal qui est quand même très important dans l'histoire de la philosophie ou dans l'histoire de la pensée, et qui se retrouve dans les œuvres. Alors peut-être, en attendant d'avoir quelques questions de nos auditeurs Zoom qui ne se signalent pour l'instant pas, mais je vous rappelle que vous pouvez signaler en levant la main pour poser une question, peut-être juste faire une question qui va peut-être être un peu d'actualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de toute cette réflexion que vous avez développée les uns et les autres autour de la question de la force de vivre, et comment est-ce qu'elle nous touche aujourd'hui, et est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose à dire, à ouvrir aussi qui fasse aussi signe vers l'ouvrage de Svetlana Alexeïevitch, dont nous n'allons pas parler spécifiquement, mais qui parle d'un moment dans lequel, pour le coup, nous sommes, où ce qui menace l'existence, les problématiques écologiques, sanitaires, humaines, vitales, dans lesquelles nous sommes évidemment plongés. Est-ce que, Frédéric, vous pourriez dire un petit mot à ce sujet-là, de voir comment, évidemment, la question est immense, comme je sais que vous devez peut-être nous quitter dans quelques minutes, peut-être nous faire un petit mot de conclusion. Oui, merci. Malheureusement, en effet, vous quittez vraiment à 16h maximum, dernier délai. Je l'ai fait un petit peu dans mon exposé, déjà, d'expliquer pourquoi la polarité entre la force de vivre et son contraire était déjà sollicité par la maladie, et puis sollicité de manière psychique, morale, politique, dans la vie humaine et de nouveau dans la pandémie, je pense. Ce qui est sûr, c'est que il y a cette question, je pense, des contradictions entre les différents dangers vitaux dans la vie humaine. Et je pense que dans la pandémie, on rencontre ça très frontalement. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, il faut lutter contre la maladie. Et en même temps, il y a des autres dangers qui surviennent par les moyens même avec lesquels on lutte contre la maladie. Moi, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux, mais justement, que ça révèle un problème structurel de la vie humaine et qu'on doit de toute façon lutter contre différents dangers. Donc, il ne s'agit pas de dire les uns sont pour la vie, les uns sont pour la survie uniquement, les autres sont pour, la culture, l'économie, la liberté. C'est de toute façon le problème de la vie humaine.
humaine de les concilier, en plus de concilier la vie individuelle et la vie collective, la santé individuelle et la santé publique. Et donc, d'une certaine manière, ça nous montre bien que, et j'en viens à Svetlana Alexeyevitch Namo, hein, même si je connais très peu, mais je pense qu'au fond, paradoxalement, le problème de la force de vivre, chez les humains, il est moral et politique, c'est-à-dire il est dans la conciliation des différentes luttes pour la vie, on pourrait presque dire la conciliation des différents principes, des différents besoins vitaux des humains contre ce qui les menace. Et donc, s'il faut concilier la vie et la justice ou la vie et la liberté, alors ça veut dire que le plus important de tous, c'est cette conciliation, donc la justice le sentiment de justice. Et d'ailleurs, je pense profondément qu'aujourd'hui, pour accepter des mesures comme le couvre-feu, par exemple, à 18h, etc., qui va m'obliger à partir dans 5 minutes, je pense vraiment que la seule façon de l'accepter, c'est le sentiment que c'est juste. Il n'y a que le sentiment de justice qui nous permet de supporter ces décisions dans le temps. Et ce sentiment de justice, il nous donne la force de vivre. Ultimement, c'est lui, parce que justement, il y a une forme d'arbitrage entre les différentes contraintes de nos vies. Et c'est là qu'on retrouve aussi les questions de Nietzsche, hein, et même celles de Victor Hugo, au fond, en question métaphysique. Victor Hugo, quand même, dans le deuil, il s'adresse au ciel. Hein, tout deuil nous porte à poser la question de la justice aussi. Hein. Et donc, au fond, Il y a vraiment cette question-là. Comment est-ce qu'on concilie les différentes dimensions de la vie humaine ? Et je pense que dans une réflexion sur la force de vivre, il faut jamais oublier la morale et la politique. La question d'une mort injuste, les cercueils de zinc de Svetlana Alexeyevitch, la question de la tyrannie, etc. Je pense que c'est au cœur des problèmes. Et contrairement à ce qu'on pense, réfléchir sur la force de vivre, c'est pas s'enfermer dans un vitalisme organique, comme ça, organiciste. Chez les humains, au contraire, ça devient immédiatement un problème moral et politique. Parce que, voilà, donc moi, c'est ça ma... Je pense, au cœur du débat d'aujourd'hui, il y a vraiment cette question, et c'est une question qui va rester, parce qu'il y a la pandémie, mais après, il y aura les risques climatiques. Je pense que si on a la force de vivre, que si vous avez la force de vivre comme sujet, c'est dans l'air du temps, hein, c'est dans, effectivement, un moment où les questions vitales vont rester, vont peser sur les questions aussi vitales pour les humains. Certains disant, ben voilà, faut sacrifier tout à la vie, d'autres disant, vous n'y pensez pas. Les deux ont tort. La question, c'est vraiment... Comment concilier ? En bioéthique, c'est pareil. Hein. Voilà, la question de la force de vivre, là, elle est sollicitée par la maladie, mais aussi par le désir de dignité des personnes en fin de vie. Est-ce que si elles disent qu'elles n'ont plus la force de vivre, en un certain sens, il faut les entendre, pas les forcer. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à vivre ? C'est aussi une question, hein, sur la force de vivre. Et c'est des débats vraiment très, très, très importants. Il y a Claire Marin, par exemple, dans son livre sur la violence de la vie, s'est opposé à Nietzsche. Je ne sais pas ce qu'en penserait Guillaume, mais quand Nietzsche dit « ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». Voilà, oui, c'est cette grande phrase. « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort », c'est évidemment un prolongement de ce qui a été dit sur Nietzsche. Hein. Mais parfois, effectivement, c'est une injonction un peu violente. C'est-à-dire, si je ne suis pas détruit, je suis censé être plus fort. Donc la maladie va forcément me rendre plus fort si je ne suis pas mort. Ben, c'est pas sûr. Il faut accepter aussi faut surtout considérer que cette force ne vient pas seulement de nous, mais aussi du rapport entre les humains et d'une conciliation morale et politique. Donc voilà, il faut élargir le spectre de la force de vivre, et c'est là qu'on retrouve la littérature aussi. Merci Frédéric. Là, justement, il y a des questions qui arrivent. Là, je vais donner la parole à Véronique Bonnet qui avait plusieurs questions. Peut-être en répondant, il est possible qu'on revienne à cette fameuse phrase du Crépuscule des idoles, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Véronique Bonnet, je vous donne la parole. Très bien, je vous en remercie. Déjà, je voulais remercier pour la qualité extrême des 3 exposés qui sont vraiment éclairants pour de multiples raisons. Alors, ma question s'adresserait à M. Guillaume Métayer concernant la vie ascendante qu'il a évoquée à la toute fin de son exposé.
Tout à l'heure, M. Worms avait évoqué le texte d'Aristote, donc de l'âme. Et chez Aristote, il y a bien une perception de cette vie ascendante, évidemment en tout à fait d'autres termes, puisque le végétal se contente de croître, donc il a la fucis. L'animal a en plus de la fucis la fora, c'est-à-dire le déplacement. Et l'humain, lui, il a de surcroît la theoria, c'est-à-dire cette possibilité de contempler dans un mouvement ascendant qui fait qu'on est pleinement humain que si on honore cette theoria, c'est-à-dire qu'on vit comme un humain, d'autant plus qu'on contemple, et donc sans se contenter simplement de croître ou de se mouvoir. Et donc la question que je me permettais de poser, c'est s'il peut y avoir, ou pas du tout, une commune mesure entre cette perception ascendante des trois degrés de la vie chez Aristote et chez Nietzsche, alors cette surenchère, si l'on veut, sans bien sûr réduire la theoria à une contemplation intellectuelle, puisqu'elle est essentiellement esthétique. Et donc, est-ce que M. Guillaume Métayer pourrait définir ce qu'il appelle vie ascendante ? Merci beaucoup. Oui, merci à vous, merci beaucoup pour votre question. Bon, c'est une question très complexe hein, et qui sous-entend plus de compétences philosophiques que je n'en ai dans l'histoire, la longue histoire de la philosophie. Je ne sais pas si... mais je répondrai plus sur Nietzsche que sur Aristote, si vous me permettez. On ne vous voit plus, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. D'accord. Madame est toujours en ligne, je vois. D'accord, voilà. Alors, moi, je répondrais simplement que chez Nietzsche, il me semble que... Alors, d'une part, la vie ascendante, hein, bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est cette idée que... la vie, précisément, ne doit pas être définie uniquement comme le fait d'exister, hein, mais comme une force, comme le disait Frédéric tout à l'heure, hein, dans son ouverture, comme une force qui est restée binaire, d'une certaine façon, dans l'appréhension qu'on a Nietzsche, hein, qui peut être ascendante ou descendante. Et là, Nietzsche transforme la philosophie en une symptomatologie, hein, une psychologie, comme il dit souvent. Il regarde, il essaie de voir quels sont les signes. Les signes, c'est une espèce de signe qui se mord la queue d'une certaine façon, mais quel est le signe qui montre que la vie est ascendante ou pas ? Donc, il crée toute une symptomatologie hein, de, à la fois notamment des philosophes qu'il lit, des écrivains, de tous les phénomènes dont il rencontre dans ses livres d'aphorismes. Et cette vie ascendante a un rapport avec la vie, disons, contemplative, hein, qui est un des termes aussi qui revient dans la Vita Contemplativa, dans le quatrième livre du Gai Savoir. Et on voit notamment comment Nietzsche met en scène hein, une interaction féconde entre précisément la vie organique, hein, les ressources de la vie organique, la vie esthétique, des espèces, il y a des sortes, on pourrait recréer nous-mêmes dans son texte, des sortes de strates comme ça, et la vie philosophique. Et comment cette interaction, c'est une interaction féconde, c'est vraiment une Wechselwirkung, hein, c'est-à-dire une action réciproque, hein, comme on en a chez Clausewitz par exemple, c'est-à-dire que le fait que débloquer des choses dans la philosophie débloque des choses dans la vie et vice-versa. Voilà, c'est un petit peu ça, je crois, le modèle hein, qui est très souvent à l'œuvre dans ce quatrième livre du Gai Savoir. Et notamment, et non sans paradoxe, en réalité avec de nombreux paradoxes, et je donnerai juste un exemple d'un paradoxe, qui est que précisément la philosophie de Nietzsche rend conscient ce qui est inconscient pour faire l'éloge de l'inconscient, en l'occurrence notamment de l'oubli. Hein, vous savez qu'il y a chez Nietzsche tout un éloge de l'oubli, hein, l'oubli comme force active, hein, comme force vitale, comme force de la vie ascendante, si vous voulez. Et il y a donc, je parlais d'anamnèse tout à l'heure, hein, il y a cette idée que le philosophe peut nous rappeler au lecteur des forces vivantes, mais il y a aussi tout un passage hein, sur ce que nous faisons le mieux, c'est ce que nous faisons en l'ayant oublié, c'est-à-dire dans l'inconsciemment. Et la philosophie, je crois, de Nietzsche vise à cela, c'est-à-dire à nous, non seulement à aller chercher des ressources de vie là où, selon lui, hein, il y aurait une sorte de d'idéalisme invétéré, d'idéal ascétique qui traverse l'histoire de la philosophie et qui nous aurait finalement fait oublier, mais de manière négative cette fois, les forces vitales nécessaires. Voilà. Merci beaucoup. Comment je pourrais répondre ?
Mais Frédéric aurait des choses plus intéressantes. Non, mais c'est aussi parce que je dois vous quitter, mais je veux dire un mot sur la question et sur cette réponse nietzschéenne. En fait, c'est très difficile de penser l'ascension dans la vie ascendante sans finalisme, sans une idée a priori, sans une norme extérieure au vivant et pour juger des formes de vie. Et donc, très souvent, on reproche à Aristote justement d'avoir pensé les degrés du vivant, l'échelle de la vie, selon une norme métaphysique, au fond, avec au sommet la contemplation humaine. Et ça se retrouve un petit peu chez Hugo quand même dans ce que vous disiez, Esther, il y a un instant. Et ça me faisait penser à ce que vous disiez de Hugo, mais de la pierre à l'humain et au-delà, parce que chez Hugo, il y a une vie supérieure. Donc, il y a cette idée d'une échelle de la vie qu'on retrouve chez les philosophes contemporains de Hugo, par exemple chez Ravesson, qui voit une idée de la vie dans... Même dans l'inerte, il y a une sorte de vie de la matière, ce qu'on appelait à l'époque le spiritualisme, même plus que le vitaliste. Il y a une sorte d'esprit dans les choses, avec au sommet, il y a quelque chose même au-dessus de l'humain. Donc là, il y a une métaphysique qui donne les critères de la vie ascendante chez Nietzsche, et je crois chez les modernes, peut-être d'une manière plus générale. La difficulté, c'est de penser des degrés de vie sans fondement transcendant, l'ascendant sans le transcendant. Vous voyez ce que je veux dire, en résumant un petit peu. Et donc là, on voit bien dans ce que disait Guillaume que une vie ascendante, c'est une vie qui affronte plus de difficultés, une vie qui a en elle-même les critères de son affirmation et pas du tout dans une sorte de réalisation d'une métaphysique a priori. Voilà la question que moi, sur laquelle je reviens, c'est-à-dire au fond une vie ascendante, une vie en progrès, une vie en progression, c'est pour moi la question du critère. Il peut pas être transcendant, mais il peut pas être non plus totalement dans ce que Guillaume décrit, c'est au nom de Nietzsche, hein, c'était très très bien décrit. Donc il faut pour moi un autre critère qui serait plutôt toujours dans la lutte contre la régression, finalement, dans la lutte contre la descente, quoi. Et chaque vivant peut en effet monter ou descendre. C'est des images psychiques très fortes, hein. Il y a un très beau livre d'Eugène Minkowski qui est connu pour Le temps vécu, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle... alors j'ai un trou tout à coup, il y a cette cosmologie où il y a l'ascension et la descente, un peu comme même un peu dans l'expérience de la drogue. Il y a un livre d'un sociologue, Patrick Faro, qui s'appelle La belle vie, que je vous recommande, qui explique comment le désir des humains, c'est de vivre une belle vie, puis il y a le risque de la descente. Et il explique pourquoi c'est un sociologue de l'addiction, un sociologue de l'usage des stupéfiants dans les sociétés contemporaines. Et peut-être que pour Hugo, ce ne serait pas inintéressant, puisque Hugo n'était pas étranger à ces substances, il me semble. Enfin, en tout cas, oui. Enfin, en tout cas, il y avait ces expériences de l'ascension et de la descente psychique aussi, avec la dépression, le noir, la mélancolie, justement. Et moi, je suis très sensible à ces images de l'ascension et de la descente, avec leur danger aussi, la griserie de l'ascension. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire, oui, nous avons... c'est des images qui renvoient à des polarités vitales, là aussi, le négatif et le positif. De là, en faire une échelle des êtres, hein, c'est la grande image de l'échelle du vivant, depuis l'amibe ou la pierre jusqu'à l'homme ou l'ange, l'homme entre l'animal et le dieu. Voilà, c'est vraiment ces questions-là. Donc, mais on n'échappe pas entièrement à cette question-là. Moi-même, je pense, on parle des degrés du vivant. Et je pense que l'humain, par exemple, a plus de formes de vie que d'autres, mais aussi plus de dangers de mort. Il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent pas mourir de chagrin. Il n'y a pas que l'animal qui peut mourir, que l'homme qui peut mourir de chagrin. Il y a du chagrin, c'est tous les êtres capables d'attachement, en fait. Et c'est déjà certains oiseaux et certains grands mammifères. En tout cas, il est frappant de voir qu'effectivement, dès qu'on parle de la force ou de la fragilité de la vie, on est évidemment ça débouche évidemment sur la question de qu'est-ce que vivre, enfin, qui est une grande question. Et ces questions-là sont toujours marquées par effectivement ces questions de polarité ou de hiérarchie qui du coup est de valeur en quelque sorte. Vous avez dit en ouvrant
ce débat. Frédéric, je vois que vous devez Catherine, partir. Catherine, pardon, désolé. Mais je vais continuer à vous faire parler, même une fois parti. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous tous. Pardon mille fois de devoir vous quitter. Malheureusement, comme vous le savez, il y a un couvre-feu qui retentit comme un ricochet sur pas mal d'autres activités. Oui. Bon courage à tout le monde et bonne force de vivre contre l'adversité. Merci beaucoup, Frédéric. Nous allons peut-être même d'ailleurs clore sur cette bonne parole encourageante de Frédéric. J'étais en train juste de dire que ce qui pouvait se retrouver, c'était cette question de la valeur de l'absolu, de la valeur absolue de la vie par rapport à ce qui la menace, et que je trouve que vos trois exposés ont bien montré toutes les ambivalences de ce plus que la vie, de ce moins que la vie, de ces stades, voilà. Peut-être Esther, vous aviez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Frédéric qui a fait signe un peu vers Victor Hugo. Oui, donc sur la question des expériences de type paradis artificiel, par exemple, ça n'était pas le fort de Hugo. Hein. Comparé notamment à d'autres poètes de son époque, il est d'une grande sobriété sur ce plan-là. Mais il y a effectivement une ivresse chez lui, mais une ivresse qui est justement l'ivresse de la contemplation, de se perdre au risque presque d'y perdre la vie au sens d'y perdre ce qu'il y a d'humain. La question est aussi jusqu'où peut-on contempler, c'est la question du bord du gouffre. Hein. La contemplation, c'est le gouffre vers le haut, mais aussi le gouffre d'en bas. Les deux se correspondent vraiment chez Hugo. Donc, effectivement, l'ivresse chez lui serait plutôt de cet ordre. Et puis, puisqu'on parlait des valeurs, je crois que quand on pense à Hugo et surtout aux contemplations, il faut toujours se rappeler du poème clé des contemplations qui est Magnitudo Parvi, la grandeur du petit, et qui travaille en permanence cette question des valeurs, des polarités que Hugo interroge, renverse, précisément parce qu'il est confronté à une question morale et politique qui est celle de l'exil, de la tyrannie. Ah, on vous perd. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vous. Moi, je vous entends, mais je ne la vois plus. Je la vois plus, ah, voilà, elle revient. Pardon. Ça y est, oui, j'ai peut-être une petite coupure. Oui, vous étiez dans la grandeur du petit. Oui, je disais que cette grandeur du petit, elle s'impose parce que, comme le disait Frédéric Worms, on est dans un questionnement moral et politique lié à l'exil, lié à l'Empire. Dans un moment où on impose des valeurs que Hugo dénonce comme fausses et mensongères. Et donc, la valeur même de la vie est questionnée dans ce monde dominé par des valeurs fausses, par une hypocrisie, d'où ce questionnement constant sur les valeurs. Je vous remercie. Je crois que je ne vous vois pas vous manifester. Je parle à nos auditeurs en ligne pour intervenir et poser d'autres questions. Nous étions fixés d'arrêter vers 16h. Il est 16h10. Donc, sauf si quelqu'un se manifeste, je crois que nous pouvons nous quitter maintenant et repartir sous la neige qui s'est arrêtée de tomber en ce Saint janvier. Je vous souhaite, merci beaucoup Esther Pignon, merci beaucoup Guillaume Métayer, merci à la Cité des Sciences de nous avoir accueillis, et je souhaite à tous nos auditeurs qui vont passer des concours dans des conditions certainement difficiles d'avoir toute la force de vie nécessaire pour les concours, mais pour le reste aussi. À bientôt et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Catherine Portrevin.